c'est que ceux qui t'accusent là, eux on les arrête jamais, hein. Eux on les arrête jamais. C'est toi demain, ta réputation est gâchée, ta vie est gâchée, ta carrière est gâchée, et puis tout le monde est là. Non, c'est pas grave, ça fait rien, ça va aller, Dieu va faire et autres. J'ai honte, j'ai honte. Une affaire où le monsieur, on n'a même pas encore suivi. On dit l'émission va passer samedi. Samedi, on n'est pas encore arrivé. Hein. On n'a même pas encore écouté l'émission. On n'a même pas encore suivi. Mais depuis vendredi, les gens ont déjà vendu le monsieur. Les gens lui ont déjà collé une étiquette. Violeur. On l'appelle désormais chat noir. Frère. Quelqu'un qui aujourd'hui peut le considérer dans le domaine de la comédie, du théâtre. C'est comme une légende. Jimmy Danger, qui ne connaît pas Jimmy Danger? Ce n'est pas parce que la culture de notre pays, au niveau culturel, au niveau de la politique vis-à-vis des acteurs de la culture, est la politique, l'une des politiques les plus nulles en Afrique. Nos comédiens, nos artistes aujourd'hui qui meurent parce qu'ils n'ont pas de factures, ni de payer des ordonnances, sont des 36 000 francs. Ceux-là, ils allaient être aujourd'hui propriétaires de leur maison. Oui, le merci qu'on peut dire à Jimmy Danger, c'est devenu le présenter comme un vulgaire violeur. C'est méchant. C'est méchant. Vous savez, souvent tu as l'impression, une fois que tu commences à être connu, que c'est une malédiction d'être ivoirien. Je le dis. Parce que ce que je dis, plusieurs artistes le pensent ainsi. Voilà. Pourquoi qu'on se cache en vérité? Il y a plusieurs artistes, plusieurs footballeurs. On se parle entre nous. C'est le peuple qui est trop méchant vis-à-vis de ses stars. Méchant vis-à-vis de ses icônes, méchant vis-à-vis de ses footballeurs, méchant vis-à-vis de ses artistes. Demain, tu fais du bien, mais à la moindre petite erreur. Le pardon n'est pas dans les cœurs. La compréhension n'est pas dans les cœurs. Ça va protéger son enfant n'est pas dans les cœurs. C'est nous, on n'est toujours pas nous, francs entre nous. C'est Jimmy Danger qui maintenant veut tomber. Les bipolaires, la sorcellerie des réseaux sociaux, c'est sur Jimmy Danger, le pauvre. J'ai mal, j'ai très mal. Parce qu'on détruit la vie des gens sans s'en rendre compte. Et ceux qui le font, ils sont comptés, ils sont derrière les téléphones, on ne les voit pas. Et puis, bim, partage, commentaire, partage, commentaire, partage. Tu vas aller même vérifier la personne où elle vit. Tu regardes la personne, tu es étonné. Donc, c'est comme ça, il y a un petit une fois qui s'est permis de faire ça. Et vous savez, si elle dit par exemple, j'ai mis ma mafia sur lui. On va interpeller. Ah, donc Marcos est une mafia, un champion. Il a mis mes hommes sur le petit. Donc, tranquille, on l'a retrouvé. Je me suis assis face à face et il dit petit. Le gars s'est mis à genoux, vieux père. Tu sais, dans la vie, c'est l'homme qui fait l'homme. Moi, comme il n'y a rien à faire là, vraiment, il faut me pardonner. C'est comme je voyais les autres parler. Donc, moi, je me suis permis d'insulter. Il a insulté ma fille en disant qu'il va violer ma fille. Il n'est pas porté plainte. Il a retrouvé petit là. Frère! Il a lu l'heure, mais il a lu l'heure dans les conseils. Jusqu'à sa mort, il ne pourra jamais plus. C'est qu'il a vu de ses deux yeux-là. Il a compris qu'il y a des hommes qui t'ont affaire. Il faut que tu traques jusqu'à dans ton dernier étrangement et puis voir assumer ça devant qui de droit. On est devenu méchant. Le monsieur qui est toujours jovial, Jimmy Danger qui va toujours rire, les blessures que cette petite affaire va s'aimer dans son cœur, le monsieur va commencer à s'enfermer. Dans ça, là, les maladies vont se développer. Dans ça, la tension va venir. Parce qu'il est gris, il a mal. Il regarde les commentaires. Il se sent blessé. Jimmy Danger. Je m'appelle Camille Makoso. Il faut essuyer tes larmes. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à cette minorité des nœuds. Il y a des millions d'Ivoiriens qui sont des personnes pacifiques, remplies de cœur. On les appelle la majorité silencieuse. Et ce qui est méchant sur les réseaux sociaux, c'est que cette majorité, elle est trop silencieuse. Et on laisse les bipolaires, on laisse les haineux, on laisse des personnes qui n'ont pas de vie salir l'image des honorables personnes qui méritent notre encouragement. Ils ont fait ça à Emma Loès, et elle ne veut plus aider quelqu'un. Ils ont détruit la vie. Moi, j'ai causé à Arafat avant sa mort. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses des gens? Il m'a dit, les gens, c'est le maudit. Arafat dit, il m'a dit ça. Kamel est là. Olopatia est là. Il sent que Arafat s'est dit. Pourquoi il a dit? Parce que tous les Ivoiriens sont les maudits. Non! Mais les réseaux se sont rendus les gens méchants. Méchants! On a oublié tous les biens. C'est à sa mort là.
Que faut voir maintenant tout le monde. Ah non, vraiment, c'était un gars de frère. Apprenons à célébrer nos légendes vivantes. Apprenons à le faire. Voilà, maman Aïcha connaîtra bientôt, c'est, je crois, son concert de 35 ans. Il y a combien d'Ivoiriens qui sont en train de l'encourager? Il y a combien? On a des légendes telles que Alpha Blondie. On permet souvent à n'importe qui de s'asseoir de parler de ces personnes. Frère! Apprenons à devenir. Apprenons, hein! Apprenons! 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 C'est pour ça que demain vous avez des cerveaux ivoiriens qui sont à l'étranger. Quand tu leur dis reviens dans ton pays, quoi? Reviens dans quel pays? Pays où personne ne reconnaît la valeur. On va trouver de moins que rien, des personnes qui ne servent à rien, des gens qui s'arrêtent subis. On les prend, on les fait star. On prend des gens qui sont animés, des êtres, on doit les délivrer. Même moi, ils se viennent star. Chien, chien baoulé, on le prend, il devient star. Voleur, on le prend, il frère. Et les cerveaux, les acteurs, les vrais artistes sont en train de mourir. Pourquoi? Parce que nous aimons plus la médiocrité, la bêtise et l'art de se vendre que l'art de faire la promotion. Jimmy Danger, Yako, il tient à terminer ici. C'est bon? Continuons dans ça. Si dans cette affaire, il n'y a pas eu mort d'homme, ça ne va pas s'arrêter. À bon entendeur, salut. Ah, bonne nouvelle. Vous l'avez demandé, Tap Tap Send l'affaire, Orange Money est désormais disponible avec 2 euros de frais fixes. C'est facile, téléchargez l'application dans votre Apple Store ou Play Store sur votre smartphone, créez votre compte Tap Tap Send et connectez-vous. Choisissez votre pays d'envoi, mettez le montant à transférer, mettez les informations du bénéficiaire. Ensuite, choisissez le mode de transfert ou vérifiez toutes les informations avant d'envoyer. Enfin, vous avez le choix de supporter les frais de retrait. Et votre parent a reçu son argent? Alors n'hésitez plus, utilisez TapTapSend pour tous vos transferts d'argent. TapTapSend, envoyez plus, dépensez moins.